Aujourd'hui, nous sommes dimanche 5 avril, il est 8h30 et aujourd'hui, je vais aller voir ma tante à son concours, donc un peu comme la dernière fois, sauf que cette fois, ce sera à Letrilly-Sartois. Donc voilà, je vais aller l'aider tout simplement parce qu'elle n'a personne d'autre pour aller l'aider pour son concours. Donc je vais aller l'aider à préparer son cheval, etc. Donc voilà. Ensuite, si j'ai le temps, donc après le concours, si j'ai le temps, je vais aller m'occuper d'Azzaro. Sinon, c'est pas grave, j'irai demain. Parce que demain, j'ai un stage à Mont-Saint-Aubin, donc là où est Azzaro. J'ai un stage au centre équestre d'Azzaro, qui est un stage d'éthologie avec Pauline. Oulala. Pauline Bells, je sais pas trop. voilà, donc c'est un stage d'éthologie. Et en fait, c'est elle qui a travaillé, enfin, qui a redécoré le papa d'Azzaro. Donc voilà, je suis super impatiente de la voir parce qu'on a déjà un peu parlé en privé. Donc voilà, je suis trop pressée de la voir. Et voilà, normalement, le planning de ce week-end. Donc c'est concours à Azzaro et le stage d'éthologie. Donc voilà, je vous emmène avec moi. A tout de suite. Moi, donc il doit être 15h, un truc comme ça, non, 14h30. Il est 14h30 et voilà, je suis rentrée chez moi. J'irai voir Azzaro demain, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'avais trop de choses à faire chez moi et je dois réviser mon code, etc. Donc voilà. Donc j'irai voir Azzaro demain en même temps que le stage en fait, vu qu'on a une pause entre midi et deux. Midi et deux, j'irai le voir ici et voilà. Puis après, j'irai le voir plusieurs fois dans la semaine. Donc voilà, donc ma tante elle a fait un très très bon concours. Elle avait jamais fait cette, je sais pas comment vous dire, cette reprise là. Enfin, elle avait jamais fait celle-là. Et du coup, c'était assez nouveau pour elle. Et bon, il y a eu quelques petites hésitations, etc. Mais c'était pas mal du tout. Elle est arrivée quatrième. Donc voilà, c'est très 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 bien. Et donc voilà, donc je l'ai aidé à préparer son loulou, etc. Comme vous avez pu le voir. Enfin, vous avez eu qu'une petite partie, je suis vraiment désolée parce que bon bah, vu que je l'ai aidé, j'allais pas filmer pendant 150 ans. Donc voilà. Donc là, je vais manger parce que j'ai pas mangé, je vais manger et je vais aller me reposer un peu et réviser mon code et puis m'occuper d'Ilou, etc. Et demain, j'irai faire mon petit stage. Bébé Ilou, elle a fait une grosse bêtise. Bébé Ilou, elle a été punie. Bah oui, t'as été punie. Qu'est-ce que t'as fait, Ilou? T'as été punie? Non, je veux pas. Ah si. C'est quoi la grosse bêtise que t'as fait? Elle est où la grosse bêtise? C'est toi qui as mangé toutes les bonbons, hein? Oui, c'est toi qui as mangé tous les bonbons. Ça, c'était une grosse bêtise, bébé. Trop mignon. Mon copain avait oublié de fermer la porte de la cuisine. Et bébé Ilou, elle a mangé tous ses bonbons. Parce qu'il y avait son paquet de bonbons qui était laissé sur la table. Et voilà, elle a mangé tous les bonbons.
Du coup, madame a été punie. Voilà, maintenant elle est plus punie, mais bon. Je suis fâchée quand même. Aïdou. Bah oui, maman elle est fâchée. Voilà. Je te boude à vie. Donc voilà mes loulous, je suis désolée, ce petit vlog était vraiment très très court, mais en fait je pensais aller voir Zaro aujourd'hui, mais là franchement je peux vraiment pas. Donc demain il sera beaucoup plus long, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain.